Bonjour à toutes et à tous, chères conseillères, chers conseillers, présents dans l'hémicycle ou présents à distance via un lien Zoom. Une courte vidéo pour commencer notre séquence. C'est une journée d'échange, de débat, au cours de laquelle nous souhaitions identifier, du point de vue de la société civile, les enjeux qui sont les enjeux majeurs pour la France à l'horizon 2035. 82 organisations représentées au CESE, de très nombreux responsables de ces organisations ont répondu présents, soit physiquement sur le plateau, soit par le biais de vidéos préalablement enregistrées. Moi, je veux les en remercier sincèrement au terme de cette journée, parce que ça marque l'attachement des organisations au CESE, ça marque notre proximité avec les responsables d'organisations, et c'est un dialogue que nous allons cultiver au cours des 5 années qui viennent pour porter toujours davantage la voix de la société civile dans notre pays. Je trouve ça très intéressant qu'effectivement on puisse avoir une restitution de cette mise en mouvement en fait des acteurs et des actrices du Conseil économique et social avant de se lancer dans des grands travaux, de repérer quelles sont les priorités à définir ensemble, en lien aussi avec la présidence future de l'Union européenne par la France. Et je pense qu'aujourd'hui ce travail est extrêmement important. Le CESE, c'est un lieu de construction de consensus. Par des journées comme celle-ci et l'assiduité des participants, ça montre l'intérêt que beaucoup de Français ont à dialoguer davantage. Notre société en a besoin. Les médias sont souvent clivants, cherchent des punchlines au lieu de chercher de vrais débats. Là, pas de punchline, de l'écoute, de la compréhension et de la co-construction. On était attachés à être présents aujourd'hui et à pouvoir porter la parole des organisations de jeunes. C'est une journée qui a été riche en ambition. Vraiment, il y a des mots forts qui sont sortis des échanges et nous, on espère avoir pu contribuer à apporter quelques idées fortes sur notamment l'idée de faire confiance aux personnes concernées, faire confiance aux jeunes pour apporter des idées dans ce débat et dans cette nouvelle mandature au CESE. Au CESE, comme dans les Césaires, les corps intermédiaires sont absolument indispensables pour agréger les paroles individuelles vers d'abord des intérêts catégoriels, puis ensuite des intérêts collectifs, dans les assemblées comme les Césaires et les CESE. Donc l'ambition pour 2035, pour redonner confiance dans les politiques publiques, c'est sans doute aussi de faire en sorte que ce pivot de la démocratie participative puisse s'exercer correctement à travers une méthodologie qui soit bien comprise et acceptée par tous. Le futur souhaitable pour la France en 2035, de mon point de vue, c'est une France qui aura réduit ses émissions d'à peu près 60%, et qui sera en route pour la neutralité carbone, tout en s'adaptant au changement climatique, et qui aura réussi à faire tout cela en embarquant la société, c'est-à-dire les entreprises, les collectivités, les salariés, et ce qu'on va appeler la société civile organisée. L'horizon 2035, il est aussi l'horizon de 2021, de 2022, répondre à l'urgence sociale, parce qu'il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas de justice sociale. Nous travaillons sur le développement économique des territoires les plus fragiles. Alors bien évidemment, ce que nous souhaitons, c'est la concorde nationale et la concorde économique. Donc que toutes les personnes issues de milieux plus défavorisés puissent accéder aux mêmes opportunités économiques que tout un chacun et que la France reconnaisse un petit peu la richesse de ces territoires. Me concernant, les grands enjeux, c'est de pouvoir, grâce au sport, lutter contre les enjeux de sédentarité. On a aujourd'hui la population française à 50% qui ne pratique pas d'activité sportive. Et je crois que c'est un véritable enjeu pour demain. Pour cette nouvelle mandature, on aimerait que les plus pauvres puissent régulièrement contribuer directement aux travaux du CESE, en ayant les occasions d'échanger avec les conseillers, de partager leur expérience et leur savoir. Ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que la France puisse s'ouvrir au monde. Et je pense que les Outre-mer constituent la base avancée pour que la France puisse avoir des contacts avec le monde, puisse continuer à porter la parole universelle. Le CESE doit prendre au sérieux la dimension maritime de la France en s'intéressant aux communs comme la haute mer, en s'intéressant aux enjeux de pêche, de surpêche, en s'intéressant aux questions de transport maritime et aux questions de montée des eaux, aux questions de l'emploi maritime,
une question du littoral. L'enjeu pour 2035, c'est qu'on soit capable collectivement de se fixer de vrais indicateurs de progrès sur la biodiversité, sur les inégalités, sur l'éducation, la santé, la recherche, l'innovation par exemple, et qu'on soit capable ensemble de regarder quels sont les chemins à emprunter pour qu'on arrive à cette France de progrès qui soit une France beaucoup plus juste, beaucoup plus écologique, mais aussi beaucoup plus démocratique. Le plus grand enjeu qu'auront à faire dans la période qui s'ouvre devant nous, à savoir les présidentielles, c'est comment faire accepter au plus grand nombre les réformes dont notre pays a le plus besoin. Il faut s'appuyer sur les corps intermédiaires constitués, sur les partenaires sociaux, en les mettant en responsabilité, en indépendance et en transparence. Bah nous, on souhaite un futur dans lequel les jeunes de 2035 n'ont pas à mener les batailles qu'on mène aujourd'hui. Un futur où on a réussi à faire aboutir une triple révolution. Une révolution pédagogique, une révolution sociale et une révolution écologique. Le CESE, il a un rôle en termes de débat d'idées, mais aussi en termes de réception de pétitions, puisque maintenant, c'est un des nouveaux rôles du CESE. Donc pour 2035, on peut aussi faire changer les choses par ce biais-là. Je retiens deux idées. La première, toutes les intervenantes et tous les intervenants sont venus nous dire que nous avions raison d'essayer de porter le regard loin, de le porter à l'horizon 2035, mais que pour autant, l'horizon 2035 supposait qu'on agisse dès à présent. Et le deuxième élément très important, les intervenantes et les intervenants sont venus dire que toutes les transitions écologiques, économiques, sociales, numériques, elles doivent être traitées en même temps, penser globalement, et on ne peut pas dissocier les sujets les uns des autres. Toute cette matière est très importante. Elle va nous permettre maintenant de nourrir nos réflexions générales. On va élaborer ce que nous appelons des orientations stratégiques. Et ces orientations stratégiques, elles nous permettront au sein du CESE de nous concentrer sur les sujets majeurs, ceux qui ne font pas nécessairement la une de l'actualité, mais ceux qui font l'avenir de notre pays, les sujets qui feront basculer notre pays du bon côté de l'avenir. Chères conseillères, chers conseillers, nous voici rassemblés pour adopter nos orientations stratégiques 2021-2026. Je veux dire combien le travail préparatoire d'échange, de confrontation, de rédaction, de discussion, d'écoute et de parole a pu briser la glace, créer des liens et nous mettre en ordre de bataille. À bien des égards, le texte qui vous est soumis vaut autant pour le chemin parcouru ensemble que pour son contenu final. Ce processus de délibération collective, je l'ai voulu dès ma prise de fonction. Nous aurions pu faire autrement. Écrire des orientations dans un petit cercle, d'en haut et sans grande contradiction. Cela aurait été rapide et efficace, mais à mes yeux, cela n'aurait été ni utile, ni respectueux de toutes les personnalités et de tous les talents présents dans notre assemblée. En ouvrant la réflexion, en mobilisant nos formations de travail, en introduisant une dose de tirage au sort, de transversalité et de mixité, en associant des personnalités extérieures, bref, en prenant notre temps, nous avons su, toutes et tous autant que nous sommes, sortir de notre zone de confort. Ne pas être l'assemblée d'une société civile trop bien organisée, chacun rangé dans son silo, mais une assemblée où chacune, chacun a eu la souplesse, la courtoisie, l'intelligence de s'ouvrir et de changer de rôle. Même si quelques interrogations, quelques doutes ont pu apparaître ici et là, nous pouvons nous en féliciter. Nous avons créé une occasion unique d'impliquer dès le départ les responsables des organisations représentées au Conseil.
Nous avons tenu une journée d'échange de haut niveau, relayée dans la presse et sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes donné des points de repère qui vont faciliter l'appropriation par tous d'un langage commun. Et nous pouvons capitaliser sur tout le travail amont, sur les fiches, sur les thématiques, sur les enjeux, un travail qui ne va pas s'évaporer, mais sera accessible à tous, en version papier comme sur notre site. Je ne sais pas si beaucoup d'assemblées se sont seulement rapprochées d'une telle démarche. Au-delà du palais d'Iéna, ce travail de longue haleine tire sa valeur de notre capacité à nous projeter dans le temps long. Alors même que nous voyons nos démocraties, ici comme ailleurs, de plus en plus prisonnières d'un rythme médiatique, technologique et électoral effréné. Le temps de la réflexion, la vision du futur, semble devoir être sous-traité à des cénacles spécialisés alors qu'il devrait se trouver au cœur du débat citoyen. Nous réaffirmons cette mission des assemblées publiques qui ne peut se limiter à gérer l'urgence ou l'opportunité du moment. Plus important encore, notre travail intervient dans un contexte très particulier, celui d'une campagne électorale où la tentation de la régression identitaire, du repli, se font jour comme jamais. C'est tout l'honneur de notre Assemblée, dans ses orientations stratégiques, que de s'ériger contre cette montée du ressentiment. Contre le repli sur soi, réaffirmer qu'aucune des crises que nous traversons ne se réglera sans l'Europe et sans une coopération internationale, nous l'avons fait. Contre la tentation autoritariste et illibérale présente en Europe, réaffirmer la primauté de l'état de droit, des libertés fondamentales, de corps intermédiaires et du collectif, en somme, d'une société civile dont nous sommes les représentantes et les représentants, nous l'avons fait. Contre un racisme de plus en plus décomplexé, réaffirmer l'ouverture, la tolérance, l'intégration, la richesse humaine de notre histoire, rappeler notre idéal de solidarité, de fraternité, de progrès social, nous l'avons fait. Contre les préjugés et les conservatismes, rappeler le devoir d'émancipation des femmes durement affectées par la crise sanitaire, la diversité des modèles familiaux, la lutte contre les inégalités de genre et contre les discriminations liées aux orientations sexuelles, nous l'avons fait. Tous ces points pourraient sembler aller de soi. Mais les frontières se brouillent, les digues sautent aussi bien au niveau des idées que des mots et des partis. Il fallait réaffirmer nos valeurs fondamentales, nous unir autour d'elles et les porter fièrement, car elles sont déjà et seront sans doute davantage mises à rude épreuve. Les trois axes de nos orientations stratégiques sont clairs. Priorité première, la résilience face aux chocs économiques, sociaux et écologiques que nous connaissons. La crise du Covid-19 nous a rappelé le devoir de protection qui s'impose au pouvoir public, qui est la raison d'être de l'État moderne. Les urgences sociales d'aujourd'hui et d'hier nécessite des services publics et des services de proximité, une meilleure redistribution, une lutte sans concession contre toutes les inégalités, car nous sommes dans des sociétés en accélération qui ont tendance, au niveau mondial comme au niveau national, à se polariser entre des riches de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus pauvres. Nous sommes attendus en tant que contributeur à la définition d'un nouvel État social
pérenne et robuste. Deuxième point de nos orientations, les nécessaires transitions. Contre la remise en cause de la transition écologique, contre toutes les manœuvres dilatoires, nous nous devons de rappeler nos engagements officiels, l'urgent devoir de la neutralité carbone, de la restauration de notre biodiversité. Nous nous devons aussi de produire des richesses, de cultiver l'esprit d'entreprise, de penser la réindustrialisation, même si notre définition de la richesse, notre conception de l'industrie et notre rapport au travail sont à revoir, à approfondir en fonction de nouvelles exigences sociales et de l'impératif environnemental. C'est une nouvelle forme de souveraineté économique, sanitaire, industrielle que notre pays doit inventer. Nous sommes attendus en tant que concepteurs et garants de l'acceptabilité sociale de ces évolutions. Dernier volet, enfin, notre place dans un monde traversé par de grandes transformations, des tensions géopolitiques d'une planète multipolaire comme jamais, des avancées technologiques qui interrogent la notion même d'humanité, des contestations multiples de la démocratie, loin, bien loin de la fin de l'histoire qu'on avait pu prédire. Ces enjeux sont internationaux. Leurs solutions ne peuvent se trouver qu'au niveau européen ou mondial, en conformité avec les objectifs de progrès et de liberté des Nations Unies. Et là aussi, nous sommes attendus, en tant qu'animateurs d'un dialogue renouvelé des sociétés civiles internationales, en tant que porteurs de la participation citoyenne. C'est dire que ces orientations stratégiques ont valeur de cap, de feuille de route. Elles proposent un diagnostic partagé. Elles ne nous enferment pas pour 5 années dans un carcan immuable, mais elles offrent une souplesse et permettent des aménagements. Surtout, elles doivent permettre à chacun d'entre nous, et moi le premier, de placer chacun des avis que nous rendrons dans une cohérence et une perspective commune, et ainsi de mieux les porter dans le débat public. Car vous le savez, il ne suffit pas de produire, il faut faire connaître notre travail. C'est la tâche de toutes et tous, chacune et chacun, avec son réseau, son milieu professionnel, son style et son talent. Ces orientations stratégiques peuvent et doivent être un cadre précieux pour améliorer la lisibilité, l'appropriation, l'impact de nos travaux. Je suis donc heureux de l'énergie, de la pertinence, de l'émulation qu'ont suscité nos travaux, et je soumets maintenant ces orientations à votre appréciation et à vos votes. Merci de votre écoute. J'inviterai les intervenants à rejoindre la tribune orateur, le pupitre pour vos interventions, si vous le voulez bien. Vous avez reçu un message dans la matinée. J'ouvrirai dans quelques minutes le vote par SMS. Et je précise dès à présent que pour la prochaine plénière, on a le temps de s'y préparer, pour la prochaine plénière, les votes se feront uniquement dans l'hémicycle. Pour cette séquence, donc j'ouvrirai le vote par SMS.
Il y a une petite diapo qui s'affichait, qui vient d'être ôtée. Je crois que je vous invite, pour garantir l'équité entre les groupes, de respecter le temps de parole qui est imparti. Et puis, il y a du sous-titrage pour celles et ceux, notamment, qui suivent les retransmissions. Et je vous remercie d'adapter votre débit de parole afin de favoriser ce sous-titrage et la qualité du sous-titrage. Ceci étant dit, pour le groupe des associations, j'invite Madame Marie-Amélie Le Fur à rejoindre le pupitre. Et pour la CFDT, Thierry Cadard se prépare. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, chers collègues. Monsieur le Président, en ces débuts de mandat, vous avez souhaité que les 82 organisations qui forment le CESE échangent leur point de vue sur les enjeux que notre société devra relever dans les années à venir. Bien que la définition de ces orientations stratégiques ait rencontré quelques difficultés de méthode, nous souhaitons saluer l'ambition initiale. Permettre à nos organisations, certes différentes, mais non moins complémentaires, de se rencontrer, de partager et confronter leurs points de vue dans un format de travail inédit. Cette volonté de co-construction nous a directement placés au cœur de ce que doit être la Chambre du dialogue civil. Notre groupe tient à saluer la prise en compte d'enjeux essentiels et porteurs de l'intérêt général. Nous pensons ainsi que la santé doit être appréhendée dans une perspective globale, prenant en compte les défis sociaux et environnementaux, que la démocratie s'enrichit de la participation réelle de tous et toutes aux côtés de la société civile organisée, que la cohésion sociale passe par la fin de toutes les discriminations afin d'apaiser les colères et contrer les discours de haine, que l'accès et l'effectivité des droits fondamentaux doivent être garantis, ou encore que l'éducation formelle ou non formelle et la culture ne doivent souffrir d'aucune barrière d'accès, et ce, tout au long de la vie. La richesse de ce texte, associée aux 42 fiches thématiques, est à souligner. C'est pourquoi, dans un esprit collectif et malgré quelques insatisfactions, nous le voterons. En effet, si la nécessité d'œuvrer à la cohésion sociale est évoquée à plusieurs reprises, le rôle des associations y est peu évoqué. Or, dans notre pays, les associations représentent 1,5 million de structures, 1,8 million de salariés, ainsi que 20 millions de bénévoles qui permettent un maillage territorial unique. L'engagement associatif est un levier d'émancipation de la société qui, dans le même temps, resserre les liens entre elles et ceux qui la composent. C'est pourquoi nous affirmons à nouveau la nécessité de renforcer l'engagement, d'œuvrer rapidement à la mise en place d'une société réellement inclusive pour toutes et tous, d'armer notre pays à lutter contre la sédentarité ou encore de promouvoir le modèle de l'économie sociale et solidaire. Tout cela ne pouvant se faire sans un soutien accru à la vie associative. Merci, donc Thierry Cadard et Véronique Biarnet-Roche pour la CFE-CGC se préparent. Bon. Les orientations stratégiques constituent la feuille de route du CESE pour la mandature. La CFDT entend vérifier que le texte proposé réponde à trois questions. En quoi ces orientations s'inscrivent-elles dans une démarche visant à participer à la construction de l'intérêt général ? En quoi vont-elles contribuer à éclairer les acteurs publics et le débat public ? En quoi, enfin, la mise en œuvre de ces orientations sera facilitée par la réforme du CESE, en particulier la participation citoyenne. La CFDT partage la vision portée par ces orientations. Afin d'engager les transformations nécessaires pour répondre aux transitions en cours, il est indispensable de consolider notre modèle social et démocratique.
C'était le message adressé dans l'avis Fracture et transition, réconcilier la France en réponse à la crise sociale de 2018. Réduire les inégalités, éradiquer la pauvreté, assurer l'effectivité de l'accès aux services publics et aux droits, miser sur la prévention sont autant d'axes de travail où les acteurs sociaux représentés au CESE ont légitimité à confronter leurs analyses et leurs propositions. En ce sens, en partageant à travers ces orientations, ces axes de travail et leur cohérence, le CESE pourra s'affirmer comme contributeur de la construction de l'intérêt général. Les thématiques présentées vont engager les formations de travail du CESE qui devront les traduire en avis. Elles sont susceptibles d'éclairer les acteurs publics et plus largement le débat public, à condition de bien prendre la mesure des effets des changements climatiques et de l'urgence écologique. Cette dimension transversale et fondamentale, elle ne devra jamais être oubliée. La CFDT valide les propositions inscrites dans ces axes, avec une réserve sur l'expression des enjeux de souveraineté, lui préférant la notion d'autonomie stratégique européenne. Très concrètement, la valeur et l'utilité de nos avis se mesureront par la qualité de l'analyse des controverses qu'ils contiendront et par des préconisations opérationnelles avec des indicateurs de mise en œuvre garantissant leur évaluation tout au long du mandat. Sur ce point, les orientations s'attachent surtout à identifier des thématiques plutôt que des méthodes. Alors, n'oublions pas que le CESE sera aussi attendu sur la qualité de ses productions. La réforme du CESE nous oblige. La CFDT considère que par la prégnance des sujets abordés, les propositions de ces orientations stratégiques peuvent anticiper des saisines gouvernementales ou des travaux législatifs à venir. Plusieurs travaux des Césaires, du CES européen ou d'autres organisations ont déjà abordé ces sujets et nos instances peuvent s'enrichir mutuellement de nos travaux respectifs. Vous l'avez compris, le groupe de la CFDT votera ces orientations stratégiques et s'y engagera pleinement. Merci Véronique. Voilà, le temps qu'on désinfecte à chaque fois. Et Pascal Coton de la CFTC se prépare et j'ouvrirai le vote après l'intervention de Véronique. L'action du CESE pour les prochaines années à venir doit garantir l'intérêt général sur la base des 42 fiches thématiques et résoudre les crises structurelles en ayant une vision partagée des difficultés, en proposant des solutions, en éclairant les décisions publiques, en valorisant les travaux et le suivi de ces derniers en responsabilité. Les préoccupations de chacune, chacun, sont aujourd'hui plus encore qu'hier la santé, l'emploi, la formation, les rémunérations, l'habitat, le transport, l'énergie, l'environnement, l'équilibre vie personnelle versus vie professionnelle. À cela s'ajoute la défense des acquis démocratiques nationaux et européens, la défense d'un niveau de pouvoir d'achat permettant de vivre dignement et le renforcement du dialogue social entre les diverses parties prenantes de notre société. Le groupe CFE-CGC militera pour un juste rééquilibrage en faveur des travailleurs, des salariés, des citoyens, du partage de la valeur ajoutée, équilibre indispensable à la cohésion sociale, pilier de notre vivre ensemble et de notre démocratie. Le groupe CFE-CGC considère que l'avenir de notre société, cet avenir commun, passe par une vision partagée des enjeux et des risques, mais aussi des priorités, la volonté d'agir et le courage de faire, la vigilance et la persévérance, enfin l'humilité face à la tâche immense qui est devant nous et qui imposera nécessairement des adaptations au plan. Entre autres, les axes de progrès, nous notons la réindustrialisation par une stratégie et des politiques de recherche à long terme, claires et justement financées, le partage de la valeur ajoutée et sa redistribution équitable, le développement d'une société de la prévention environnementale, sanitaire, économique et sociale, la préservation et le renforcement du dialogue social, la suppression des inégalités, de la pauvreté en créant un nouveau pacte social, la défense de l'emploi et du droit à vivre de son propre travail, le renforcement et l'acceptabilité de la citoyenneté, la lutte contre les discriminations, le travail forcé, la traite des êtres humains et l'esclavage moderne,
Nous relevons toutefois que la réussite de ces orientations ne pourront se réaliser qu'avec le concours loyal, étroit, résolu et sincère du gouvernement. En effet, si celui-ci ne développe pas rapidement de nouvelles appétences sur les futures préconisations du CESE, et s'il décide in fine de ne pas tenir compte des conseils et recommandations de la société civile organisée en n'investissant pas les moyens adéquats, s'il ne s'engage pas à favoriser l'action collective, à libérer les initiatives de terrain, à encourager concrètement le dialogue entre les acteurs à tous les niveaux de la société par des actes et pas seulement par le verbe. S'il n'entreprend pas de nourrir et de renforcer la confiance qui nous fait tant défaut, alors les travaux engagés seront vains avec des conséquences néfastes sur les territoires, sur notre économie, sur l'environnement, sur le capital humain, sur le dialogue social et sur notre contrat social, socle de la République. Merci. Ce sera donc au tour de Pascal Coton pour la CFTC. Pour la CGT, Marie-Claire Caïto se prépare. Et au moment où Pascal donc, va commencer son intervention, j'ouvre le vote par SMS. Hein, le vote est ouvert pour une grosse quinzaine de minutes. Pascal. Monsieur le Président, chers collègues, voilà un texte qui fera date dans l'histoire du CESE. D'abord par la méthode à laquelle nous avons eu recours pour l'élaborer, le dialogue, l'écoute attentive de l'autre et la volonté de construire ensemble quelque chose qui nous ressemble. Ce document d'orientation réussit ensuite le tour de force de camper en quelques pages les termes de l'immense défi qui nous attend, concilier à la fois le développement économique, le progrès social et la préservation de l'environnement. Il ne se contente pas de dresser le constat de ce qui ne va pas, il trace des perspectives tout en laissant la porte ouverte à tout type d'initiative qui s'inscrit dans le cadre qu'il définit et en respecte les fondamentaux. Ce texte nous invite à mettre de côté ses intérêts particuliers et à avoir le souci du bien commun. Aucune des trois dimensions qui définissent le développement durable ne doit prendre le pas sur les autres. Ces orientations, nous les ferons nôtres tout au long de cette mandature. Ce texte fournit un cadre au projet qui nous appartient ensemble de concrétiser. Il est ambitieux, certes, mais réaliste et réalisable pour peu que nous nous en donnions les moyens. Il place le CESE au centre des préoccupations et fixe la route à suivre sur les sujets qui le concernent et sur lesquels nous devons travailler avec nos concitoyens. Ces orientations nous vont bien, à nous, militants de la CFTC, qui mettons un point d'honneur à respecter la subsidiarité. Ils nous proposent d'accompagner nos concitoyens dans leurs projets de vie pour que chacun puisse s'épanouir dans une société apaisée. Ce document définit en revanche notre rayon d'action en tant que société civile organisée quand il nous invite à lutter contre les inégalités et les discriminations, à éradiquer la pauvreté, à protéger les plus faibles, à mettre en avant ceux qui s'engagent. Ces orientations nous vont bien aussi parce qu'elles définissent un cadre minimal à la transition écologique que la CFTC appelle de ses voeux. Minimal parce que nous estimons que nous ne sommes pas seulement dans une société en transition, mais que nous devons davantage participer à la reconstruction d'un monde que des années ont laissé de côté et endommagé. Ce texte souligne les points de passage incontournables de cette reconstruction, l'éducation, la reconquête de la biodiversité, la relocalisation de l'industrie, l'emploi de demain, l'accès à une alimentation saine. Ces orientations ne jettent pas seulement les bases d'un monde à reconstruire, elle s'intéresse aussi aux évolutions en cours, entre autres dans le domaine technologique. De ce strict point de vue, nous devons tirer les conséquences de la catastrophe sanitaire qui a en effet montré que certains publics pouvaient passer à côté du progrès. Le groupe CFTC partage le caractère exigeant de ces orientations indispensables à notre société et au devenir de l'humanité sur la planète. Notre groupe s'impliquera dans la traduction concrète de ces orientations et vote ce document.
Marie-Claire Caïto pour la CGT. Pour CGTFO, Béatrice Klick se prépare. Valider les orientations du CESE après une longue séquence, dans une nouvelle configuration de travail qui se voulait créative et innovante, a, de notre point de vue, produit un texte qui n'est pas à la hauteur des enjeux. La nécessité d'une évaluation s'impose au regard du temps et des moyens engagés. Ce processus de travail a affaibli la qualité du travail des commissions dans une forme de sous-traitance et a organisé des débats éloignés des échanges dans ces mêmes commissions. Pour chuter sur un texte, nous serions au clair sur les constats, sur les idées comme sur les mots. Autant le travail mené par les commissions traçait des lignes de force capables de poursuivre les objectifs précédemment décidés, autant ce texte final soumis à notre approbation demeure sur des considérations générales. La force est de cultiver notre singularité à partir de ce que nous sommes, la société civile organisée dans toute sa diversité. Le groupe CGT avait concentré ses amendements autour du partage de la richesse, de la démocratie, du travail, sa valeur, son sens et sa finalité, afin d'agir pour la transformation des situations de travail, car l'ambition est de réintégrer la politique du travail dans un avenir respectant la nature comme patrimoine de l'humanité autant que comme ressource de vie et de production. C'est en suggérant des alternatives innovantes qui bousculent la société que nous demeurerons pertinents, utiles et serons reconnus comme porteurs d'espoir. Aucune issue aux crises ne sera possible sans s'attaquer à la manière dont se crée et se partage la richesse. Dans tous les cas, ne pas poser la nécessaire rupture avec le modèle économique actuel manque de crédibilité pour sortir le monde qui vient de l'obscurité, des incertitudes et du danger. L'accumulation de toujours plus de richesses par une minorité au détriment du travail et de la nature reste la source première des inégalités, notamment de santé, d'éducation, de culture, d'accès aux biens fondamentaux. En ne couplant pas santé au travail environnemental pour une santé globale, ce texte d'orientation est en décalage des travaux précédemment menés par le CESE. Enfin, plus que de résilience et de cohésion sociale, c'est de promotion de la justice sociale dont les peuples ont de toute urgence besoin. Cette justice sociale fondée sur l'égalité des droits, qui ne consiste pas seulement à augmenter les salaires et créer des emplois, mais pose des enjeux de dignité, de respect et de liberté d'expression pour les travailleuses et les travailleurs, ce pouvoir de dire et d'agir dans la cité comme dans l'entreprise, ce que l'on nomme démocratie. Nous regrettons que la qualité de ce texte soit en deçà du travail des commissions et des écrits du CESE qui ne seraient placés qu'en annexe. Cette situation nous oblige à nous abstenir. Merci Marie-Claire. Béatrice pour le groupe FO, Jacques Landriot pour le groupe de la coopération se prépare. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, aujourd'hui nous votons les orientations stratégiques de la mandature. C'est un moment important. Il s'agit de définir les grandes lignes qui vont dessiner les horizons de notre institution pour les 5 ans à venir. Dans un monde en mutation, il faut non seulement pouvoir répondre aux enjeux actuels, mais également anticiper leurs évolutions, les comprendre et agir sur le long terme afin de ne pas en subir les conséquences inattendues et dommageables pour notre société. Ces orientations sont le fruit d'un travail mené par l'ensemble des membres du CESE, notamment par le biais des fiches thématiques élaborées par les formations de travail. Nous ne nous attarderons pas sur l'expérience « Vie ma vie » de citoyen qui a interrogé, voire même irrité bon nombre d'entre nous. Nous restons convaincus que la participation citoyenne, permise sous différentes formes par la loi organique, ne doit pas devenir la règle, ni même une fin en soi. Il s'agit pour FO d'un outil qui peut utilement alimenter les travaux et les réflexions menées par la société civile organisée que nous représentons. Nous tenons par ailleurs à souligner l'intérêt de la journée de la conférence des enjeux qui a permis à l'ensemble des responsables de nos organisations respectives de montrer leur attachement à notre institution. Pour le groupe FO, les orientations stratégiques et les fiches thématiques proposées par les formations de travail doivent nous permettre, si nécessaire, de canaliser l'affluence des futures saisines par pétition afin de laisser la possibilité aux commissions et aux délégations de mener leurs travaux sur les sujets mis en avant dans les fiches thématiques
comme autant de pistes à explorer. Pour le groupe FO, le CESE doit pouvoir continuer à réfléchir de manière apaisée et concertée aux solutions à apporter pour préparer le long terme et pour garantir l'avenir de notre pays. Le CESE, lieu de débat et de réflexion de la société civile organisée, doit toujours agir pour faire de l'égalité, principe fondateur de notre République, une réalité pour toutes et tous. Tout au long des différentes phases de préparation des orientations stratégiques, Force ouvrière a insisté sur l'importance d'une prise en compte équilibrée des trois piliers fondateurs de notre institution, l'économie, le social et l'environnement. Réussir la transition écologique implique nécessairement son acceptabilité par les citoyens, en particulier les plus fragiles. Ce défi ne pourra être relevé que dans un cadre de développement économique socialement juste. Pour le groupe FO, cette vision se retrouve dans les orientations stratégiques. C'est pourquoi FO votera ces orientations. Merci Béatrice. Jacques donc Landriot pour la coopération pour les entreprises. Anne-Marie Coudert se prépare. Merci. Parfait, merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, la nécessaire reconstruction d'après-guerre a poussé notre pays à choisir des nouvelles orientations pour faire face aux enjeux de l'époque. Aujourd'hui, dans un monde en profonde mutation, nous sommes invités à nous réinventer pour faire advenir un horizon désirable. En effet, à l'instar des autres pays développés, la France fait face à des défis à la fois démocratiques, économiques, démographiques, sociaux et écologiques qui l'encouragent à un changement de paradigme. Et les défis nous semblent aussi colossaux qu'en 1945. Il ne s'agit en effet pas moins que d'imaginer les nouvelles fondations de notre société pour les décennies à venir. C'est en ce sens que le CESE a souhaité, via sa conférence des enjeux, mettre en exergue les défis du nouveau siècle. Nous avons ainsi travaillé ces dernières semaines à établir des orientations stratégiques qui embrassent nos problématiques contemporaines et futures. L'implicite qui définit la relation entre gouvernement et citoyen, entre travail et capital, entre économie et environnement, et entre les différentes constituantes de notre société, est sérieusement remis en cause. Nous avons établi le constat que notre développement n'est pas durable, tout en prenant conscience que nous allons devoir affronter les enjeux de transition ainsi rendus nécessaires. Pour nous, coopérative, un nouveau contrat social doit émerger. Son instauration doit relever d'une histoire à la fois positive et partagée, porteuse d'un progrès social à la hauteur des progrès économiques et technologiques récents et à venir. Le modèle de 1945 a posé des fondements en matière de solidarité, d'émancipation individuelle et de recherche d'un haut niveau de cohésion sociale et territoriale que le nouveau modèle doit poursuivre. C'est donc à travers la co-construction démocratique, en veillant à ce que l'arbitrage public ne perde jamais de vue l'intérêt général, que nous parviendrons à mener ces transformations ensemble dans un esprit de justice. Un accompagnement bienveillant ainsi qu'une pédagogie exigeante seront nécessaires en vue de l'acceptabilité des politiques publiques à venir. Certaines des tendances majeures observées dans les mutations actuelles indiquent que de nombreux domaines pourraient tirer parti de l'action communautaire et des principes d'entraide et de démocratie participative que nous mettons en œuvre au quotidien au sein du modèle coopératif. Se lèverait notamment en matière de réindustrialisation, de meilleure répartition des richesses et d'organisation du travail. En total accord avec le programme stratégique de cette mandature, nous concourons à inspirer les travaux de notre Assemblée afin qu'ils prennent corps et infusent notre société. Merci beaucoup. Merci Jacques. Donc Anne-Marie Coudert pour les entreprises, pour environnement et nature. Pascal Mayol se prépare. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers. Monsieur le Président, vous avez souhaité que l'ensemble de notre Assemblée réfléchisse aux enjeux pour construire une France plus forte en 2030. Les entrepreneurs que nous sommes
et les entreprises que nous représentons, acteurs majeurs de la transformation au cœur des territoires, ont été force de proposition au travers des travaux menés au CESE dans les différentes formations de travail. Ceci car les conseillers ont été nommés par leurs organisations en fonction de leurs expériences et compétences sur les sujets à traiter et ont été répartis en conséquence dans les formations de travail. À l'inverse, l'ensemble de la méthode de travail de la conférence des enjeux, notamment les webinaires, ne nous a pas pleinement convaincus. L'approche retenue mesure aussi insuffisamment, et pour nous c'est très important, les enjeux mondiaux et européens autour de stratégies d'influence des pays, voire de continents. C'est bien là le risque de la méthode d'agrégat qui aboutit à une consolidation d'éléments hétérogènes. Au-delà, les organisations qui composent le CESE ont été associées pour que ce processus se réalise pleinement avec elles et nous vous en félicitons. Élaborer les orientations stratégiques définit le socle de nos futurs travaux pour contribuer aux réflexions sur le développement de la France. Les thèmes retenus dans ce document pour assurer les transitions sociales, écologiques, numériques et développer l'attractivité et la compétitivité de notre pays sont pour la plupart majeurs. Réfléchir tous ensemble aux conditions de développement d'une croissance responsable. Prendre en compte les enjeux environnementaux et les enjeux européens au plus haut niveau, notamment en matière d'harmonisation fiscale et sociale. Adapter les politiques d'emploi aux mutations économiques et aux besoins des compétences des entreprises en priorisant sur la formation et l'emploi des jeunes. Relancer le commerce, mais aussi favoriser l'accessibilité au numérique, l'autonomie des personnes, l'aménagement des territoires, la localisation des chaînes de production. Tenir compte du contexte démographique et migratoire. Vous le savez, le groupe entreprise se mobilise contre toute idée d'effondrement et croit à l'innovation, à la performance économique, aux investissements, aux adaptations et aux évolutions. Sans nier l'urgence de certaines situations, les entreprises ont besoin du temps nécessaire pour construire un agenda des solutions. Et pour conclure, les orientations stratégiques élaborées dans ce document nous apparaissent bien aller dans le bon sens. C'est pourquoi le groupe entreprise prendra part à l'ensemble des travaux de façon active, constructive et votera favorablement ce texte. Merci. Merci Anne-Marie, Pascal Mayol pour le groupe Environnement et Nature, Marie-Pierre Gariel pour le groupe Famille se prépare. Monsieur le Président, chers collègues, au moment de valider le texte issu du processus de la conférence des enjeux, nous nous questionnons. Tout ça pour ça. Dans un contexte de fort renouvellement des membres du CESE, nous avons souhaité élaborer collectivement, grâce à un processus inédit, la définition de priorités pour offrir une colonne vertébrale autour de laquelle insérer nos travaux. Nous saluons le travail important qui a été fourni, les processus innovants qui ont permis des dialogues nourrissants et la production de contributions très riches. Mais il apparaît qu'après le processus de la conférence, il n'y a pas eu le temps de décantation nécessaire et, au contraire, une accélération dans laquelle on a perdu la substantifique moelle des travaux antérieurs. Nous sommes passés de la recherche d'une vision commune à l'accouchement d'un texte fourre-tout. Le but, certes compréhensible et tellement césien, était que tout le monde retrouve ses petits. Mais au final, on aboutit à une juxtaposition de sujets sans véritable stratégie. Elle aurait pourtant été fort utile pour, face aux urgences environnementales, prioriser nos travaux autour de l'évolution de notre modèle social, économique, énergétique, agricole, éducatif et de la destinée des jeunes et des plus vulnérables. Si notre objectif partagé est de permettre un futur vivable dans le cadre d'une transition juste, alors les modalités d'intégration de la neutralité carbone et de la restauration de la biodiversité doivent être des préoccupations prioritaires.
Et puis, les bien trop faibles délais de finalisation du texte ont produit des formulations ambiguës, comme l'acceptabilité des évolutions à venir. C'est une formule qui gomme les besoins de co-construction et de planification des évolutions à mettre en œuvre. Et des formulations non acceptables, comme l'objectif de seulement stabiliser la dégradation de la biodiversité, alors que nos engagements nationaux et européens nous enjoignent à la restaurer. Les fiches élaborées en commission et en groupe doivent rester un support de ces orientations stratégiques. Nous convenons que, sur ces bases, tout est possible et qu'on fera mieux dans les semestres à venir à travers les avis produits. C'est d'ailleurs ainsi que le Conseil a fonctionné dans le passé. Mais c'est aussi ce que nous souhaitions dépasser pour être à la hauteur de l'urgence et produire des avis dont la pertinence et l'utilité soient plus fortes que jusqu'alors. L'actualité rappelle avec force les questions de transition équitable, de prix et de disponibilité de l'énergie, de la COP26, des transformations à conduire pour l'agriculture ou encore l'industrie. À l'occasion de l'adoption de ces orientations, le CESE se doit d'affirmer qu'il va se saisir de ces questions en toute priorité, les éclairer avec une approche participative et proposer des possibles. C'est à ces conditions que notre institution sera reconnue en tant que lieu de débat légitime sur les enjeux stratégiques que nous avons voulu désigner ensemble. Pour manifester ses regrets à l'issue d'un processus pourtant constructif, notre groupe, fort de ses 11 organisations, choisit de partager ses votes. Et pour conclure, nous souhaitons réaffirmer devant vous notre conviction dans la vertu du dialogue et dans la nécessité, pour avancer, de se dire les choses et de se donner le temps de la co-construction. Merci. Merci Pascal. Marie-Pierre, donc Gariel, se présente. Je vous annonce que je vais procéder à la clôture du scrutin après l'intervention de Marie-Pierre. Pour les non-inscrits, Alain Bazot se prépare pour intervenir après Marie-Pierre. Marie-Pierre. Monsieur le Président, chers collègues, à la veille de la COP26, le CESE arrête ses orientations pour la mandature 2021-2026 et les deux feuilles de route se recoupent pour se projeter vers un futur souhaitable pour toute la population à l'horizon de la prochaine génération. Le groupe Famille rejoint pleinement les enjeux de résilience, de transition nécessaire et de transformation à anticiper et accompagner. Le groupe Famille votera les orientations stratégiques du CESE pour ces 5 ans qui viennent et y prendra pleinement sa part pour voir aboutir des consensus exigeants. L'écologie familiale est bien un atout pour un développement humain harmonieux. Les familles, toutes générations confondues, sont en première ligne pour assurer solidarité et sécurité de tous leurs membres. La crise sanitaire et le confinement ont révélé des inégalités criantes en matière de qualité du logement, de cadre de vie des Français en milieu urbain comme rural. Les séparations, les maltraitances aux femmes, aux enfants, aux personnes vulnérables ont montré la fragilité des familles. Et pourtant, celles-ci ont été les principaux amortisseurs de la crise. C'est pourquoi notre groupe sera attentif aux propositions allant dans le sens de la protection des familles et des enfants dans nos futurs travaux. La reprise de l'activité économique est amorcée, mais des garanties sont à trouver par une veille sur les prix à la consommation, un accès à une alimentation de proximité, des aides sur les dépenses essentielles et contraintes liées au logement, au chauffage ou au déplacement. Penser les politiques publiques d'accompagnement ou d'anticipation des transitions et des transformations nécessite une prise en compte de la composition familiale, au risque sinon d'aggraver les inégalités. La famille doit être pensée comme un acteur économique majeur et la politique familiale comme un outil économique à part entière. Le fait familial doit constituer un critère structurant des politiques de relance et d'acceptabilité des transformations à conduire. Une politique familiale n'est pas une politique sociale. Par ailleurs, les familles sont les premiers éducateurs de leurs enfants.
C'est en famille que s'apprenne et se vivent la solidarité, la transmission intergénérationnelle, tout autant que les bons gestes et les comportements respectueux de l'environnement et de la santé. Il importe de tirer les leçons d'expérimentations conduites en ce domaine, telles que la disposition famille à biodiversité positive dans les parcs naturels régionaux ou encore famille à énergie positive. Enfin, la crise a aussi montré l'importance des réseaux associatifs pour maintenir le lien social et mettre en œuvre des actions de solidarité. Les bénévoles ont développé des trésors d'inventivité avec dynamisme et enthousiasme, révélant le sens de l'action collective. Je vous remercie. Merci Marie-Pierre. Le vote est clos. Donc Alain Bazot, donc pour le groupe des non-inscrits et pour le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, se prépare Elno Herrier. Membre du groupe des non-inscrits, je vais m'exprimer à titre personnel en qualité de représentant de l'UFC Que Choisir. Avec un quotidien au rythme effréné, une gestion trop souvent au jour le jour des préoccupations des citoyens, on ne peut que saluer la volonté du Conseil de proposer une vision sur l'avenir en insistant sur la notion d'effectivité des droits et de l'égalité. Naturellement, je me félicite de la mention concernant l'évolution des modes de consommation. La consommation sera un des principaux déterminants de la transformation de l'économie. Une consommation repensée, plus sobre, plus juste et responsable, comme cela est dit au paragraphe des transitions. Responsable, le consommateur le sera s'il dispose d'une information pertinente. À cet égard, les pouvoirs publics auront à s'impliquer pour garantir et promouvoir un cadre fiable. Le Nutri-Score ou encore le Planet-Score fournissent deux illustrations dans l'actualité. Responsable, le consommateur, s'il dispose d'une véritable liberté de choix et bien sûr ne se heurte pas à une inaccessibilité financière. La question du pouvoir d'achat revient en force. Elle devra être traitée sans que les ambitions de transition écologique ne soient sacrifiées. Si l'économie française et la société de demain seront largement ce que nos choix de consommation en feront, si les citoyens consommateurs détiennent un pouvoir central, encore faudra-t-il qu'ils soient accompagnés, comme les orientations stratégiques l'indiquent. Cependant, tout ne pourra pas reposer sur les seules épaules des citoyens consommateurs. Il sera opportun que le Conseil s'intéresse également aux nécessaires changements systémiques et structurels. L'accès de toutes et tous à une alimentation et à un environnement sain, cela rejoint pleinement le renforcement de la prévention en matière de santé exprimée dans les enjeux de résilience. La transformation et la transition numérique, avec un égal accès à un Internet de qualité, mais aussi sécurisé, garantissant à chacun la maîtrise de ses données et définissant clairement les responsabilités respectives des différents acteurs. De plus, il faudra nous assurer que les transitions soient socialement juste, ce qu'énonce, là encore, le document qui nous est soumis. L'acceptabilité des politiques publiques en matière climatique pourrait être renforcée via trois canaux, le strict respect du principe pollueur-payeur, qui est trop souvent méconnu, des politiques globales, tout en ménageant les consommateurs les plus vulnérables, atteignent aussi les classes moyennes qui ne bénéficient pas d'alternatives durables et accessibles, et enfin une fiscalité non punitive et transparente quant à l'utilisation et au fléchage des recettes. Enfin, je partage pleinement cette nécessité d'être davantage présent au niveau européen, tel que l'énonce le troisième paragraphe. Alors que la majeure partie de notre droit vient de l'Union, il importe de peser via une coopération renforcée avec l'autre Conseil, notre grand frère à Bruxelles, mais aussi en s'intéressant de près aux accords commerciaux internationaux qui peuvent détricoter en un instant
et dans le secret des couloirs les avancées nationales ou européennes. Le diable peut parfois s'habiller en taffetas. J'ai voté la vie et le rapport d'orientation. Merci. Merci Alain. Noerrier pour le groupe Organisation étudiante et mouvement de jeunesse. Pour le groupe des Outre-mer, Ghislaine Arlis prépare. Et nous rassemble aujourd'hui marque un temps particulier de la vie du CESE. Notre groupe s'est interrogé sur le sens de cette déclaration. Sur quoi donnons-nous notre avis ici ? Le contenu d'un document, un processus de travail, un positionnement politique ? Si nous sommes en accord avec les éléments d'introduction du président et avec les orientations présentes dans ce document, car il est difficile d'être en désaccord avec les larges thématiques posées, elle ne nous semble pas refléter la qualité de ce que nous sommes capables de produire collectivement et la manière dont nous pouvons et devons travailler. Pour autant, la lecture de ce texte reflète bien la complexité à trouver le juste équilibre entre économique, le social et l'environnemental et doit nous pousser, nous, CESE, à être plus exigeants envers nous-mêmes afin d'y parvenir. À cet égard, la thématique de la cohésion sociale qui nous tient particulièrement à cœur, doit pouvoir être traitée en tant que telle et pas seulement au prisme des enjeux économiques ou environnementaux. Au-delà du monde du travail, la cohésion sociale se crée aussi dans les espaces sportifs, de culture, de loisirs, d'engagement et dans la vie quotidienne. Les associations, et notamment celles qui se reconnaissent de l'éducation populaire, sont des acteurs sociaux incontournables et pourtant peu présentes dans ce texte. C'est notamment en s'appuyant sur les associations qu'il est possible d'ambitionner un changement de paradigme social pour aller vers une véritable construction de commun et de refonte du vivre ensemble. À ce titre, la lutte contre toutes les formes de discrimination doit être portée de manière transversale. Le groupe est satisfait de la place qui est donnée aux questions environnementales, même si la réussite de la transition écologique reste trop souvent cantonnée à la seule sensibilisation des citoyennes et des citoyens visant à garantir l'évolution de leurs pratiques quotidiennes. Elle est pourtant fortement dépendante des acteurs économiques et étatiques, des institutions et d'un effort collectif partagé qui nécessite que l'ensemble des acteurs modifient leurs pratiques, y compris ceux qui édictent ou font appliquer les normes. Il ne suffira pas aux citoyens, notamment les jeunes, d'être créatifs et entrepreneurs pour ne pas subir les transformations en cours et à venir. Enfin, la question de la pertinence de notre modèle économique actuel n'est pas posée en tant que telle, bien qu'elle ait été soulevée dans plus de la moitié des formations de travail. Le groupe regrette que cela ne fasse pas partie des interrogations du CESE qui suivraient, en ce sens, les recommandations de l'Agence européenne de l'environnement, du GIEC et de l'IEPBS. Le CESE s'est engagé dans un processus fastidieux, souhaitant traduire des ambitions fortes. Le résultat aujourd'hui peut sembler ne pas traduire l'énergie, l'espoir et la volonté que nous toutes et tous avions placés dans cette conférence. Un temps supplémentaire de mise en lien et d'échange collectif sur des différents espaces de réflexion aurait sans doute été nécessaire. Cela aurait également permis au groupe de consulter et embarquer toutes leurs organisations dans ces orientations. Gardons à l'esprit qu'à l'avenir, il nous faudra faire mieux. Vous noterez une certaine déception quant à la dernière étape de ce processus, mais l'ambition que porte ce texte va dans le bon sens. Estimant qu'il aborde un certain nombre de thématiques importantes pour la mandature, nous le voterons favorablement. Merci Elno, Ghislaine, Harley, et pour les Outre-mer et pour le groupe Santé et Citoyenneté, Philippe Dacosta se prépare. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, penser l'avenir, dresser des perspectives pour répondre aux défis d'une société en mutation constante permet d'anticiper le nécessaire éclairage de l'action présente à la lumière des futurs possibles et souhaitables. Pourtant, soumis au diktat de l'immédiateté, le temps politique n'est plus celui du long terme. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu font office de forum au gré des émotions et des polémiques. Est-ce à dire que notre démocratie n'est plus en mesure de préparer le long terme et de construire un destin commun ? Si des intellectuels et des spécialistes tentent de penser le monde, les politiques s'inspirent bien trop peu de leurs propositions. Le diagnostic partagé pour fixer un cap
et remplacés par des sparadraps qu'on colle pour calmer la colère sociale et s'éviter des débâcles électorales. Dans ce contexte, le travail collectif que nous avons entrepris redonne au CESE sa vocation d'être l'institution tournée vers l'avenir en éclairant les pouvoirs publics sur les enjeux et les conséquences de leurs décisions à long terme. Les Outre-mer ont toujours démontré leur formidable capacité de résilience après chaque crise qu'ils ont affrontée. En effet, depuis 2009, 40 événements climatiques majeurs ont été comptabilisés, sans compter les conséquences sanitaires des pollutions dues aux algues sargasses, aux conséquences du chlordécone et des essais nucléaires. À ces vulnérabilités s'ajoute l'accumulation des retards de développement, la persistance insupportable du chômage de masse, à l'évolution démographique variable et la prégnance de l'illettrisme. Mais parallèlement à cette réalité, nos territoires sont surtout riches des 80% de la biodiversité française qu'ils abritent. Riches aussi des 11 millions de kilomètres carrés de surface maritime et disposent également de la plus grande frontière terrestre entre la Guyane et le Brésil. Ces atouts offrent à notre pays une position géostratégique et des ressources naturelles encore non connues et inexploitées. C'est pourquoi nous avons collectivement la responsabilité de faire de ces atouts à haute valeur ajoutée des laboratoires d'innovation, d'expérimentation et de transition écologique, numérique et sociale. Toutefois, ces transitions supposent deux préalables. D'abord, la transformation des modèles économiques et ensuite l'intégration régionale, qui est la clé d'un développement plus équilibré et une coopération avec les pays voisins. Elle permettrait à la France de s'affirmer comme une puissance mondiale et à l'Europe de rayonner sur les trois océans. Le CESE dispose aujourd'hui de tous les outils pour fournir des réponses aux maux et aux fractures de la société française, et ce, afin de réenchanter notre démocratie. Le groupe des Outre-mer votera les orientations stratégiques. Merci Ghislaine. Philippe Dacosta pour le groupe Santé Citoyenneté, pendant que Martine Vigneault pour l'UNSA se prépare. Monsieur le Président, chers collègues, débuter une mandature en définissant les orientations stratégiques pour nos travaux à venir est un acte fondateur, fédérateur et porteur de promesses pour notre Assemblée. Nous tenons en premier lieu à saluer l'élaboration collective de ces orientations, fruit d'une démarche inédite, innovante et toujours perfectible. Ces orientations fixent un cap et constituent dorénavant le socle de notre action et de notre cadre commun. Le groupe Santé et Citoyenneté souligne tout particulièrement le travail accompli autour des trois familles d'enjeux et la mobilisation de notre Assemblée. Les enjeux ont pris corps progressivement et des pistes de travail concrètes ont été identifiées, même si beaucoup reste à faire. Les défis à relever sont considérables. La crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales, les enjeux environnementaux et les ruptures démocratiques à l'œuvre au sein de nos sociétés révèlent un contexte sans précédent. Notre Conseil a pour raison d'être de comprendre, d'analyser et de contribuer à rechercher les solutions du possible en mobilisant nos concitoyens et en rendant notre société davantage résiliente. Dans ce contexte, nos formations de travail, désormais en ordre de marche, auront à élaborer la parole de notre Assemblée en mobilisant nos organisations qui la composent et en tenant compte des nécessaires transversalités inhérentes aux enjeux que nous avons définis ensemble. Notre groupe sera particulièrement attentif aux engagements que nous prendrons. Il s'agit pour nous d'innover, pour répondre à des besoins non ou mal satisfaits, de permettre à toutes et à tous un accès à des soins de qualité, de lutter contre toutes les inégalités et les discriminations, dont celles du genre, celles liées au handicap et aux vulnérabilités, de concilier et d'améliorer la qualité de la vie individuelle et collective, autant de facteurs venant renforcer la cohésion sociale.
Fort de ses orientations stratégiques déclinées dans ses futurs travaux, le CESE devra inscrire ses propositions dans une réelle stratégie de communication et de visibilité, en consacrant une large part à la promotion de nos travaux, rapports et études. Chers collègues, définir nos orientations stratégiques nous a également amenés à réinterroger notre place au sein des institutions de la République. La réforme ayant renforcé et précisé ses missions, le CESE, confirmé comme lieu d'expression de la société civile, doit pouvoir s'appuyer sur la mobilisation de nos organisations pour enrichir nos échanges dans ce cadre rénové de co-construction démocratique. C'est pourquoi le groupe Santé et Citoyenneté soutient ces orientations et s'engage à les faire vivre dans les formations de travail. Merci Philippe, Martine Vigneault pour l'UNSA et pour le groupe Agir Autrement pour l'innovation sociale et environnementale. Samira Djouadi se prépare. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, notre système démocratique souffre de crises profondes issues de la conjonction de plusieurs facteurs, certains anciens, amenant aujourd'hui à une crise de la légitimité démocratique. Les défis auxquels notre pays est confronté sont immenses. Les inégalités et les fractures minent sa cohésion et la promesse républicaine, rendant encore plus impérative la recherche et la construction de réponses collectives. L'urgence sociale et la crise écologique nous obligent. La question de la croissance doit trouver de nouvelles réponses dans un monde fini. Les réponses à ces défis devront émerger dans le dialogue et être le fruit de compromis respectant la justice sociale, gage de l'acceptation sociale et donc de l'efficacité. Elles nécessiteront un travail long et fondamental pour restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions et leurs représentants. C'est dans ce contexte que les orientations stratégiques proposées ce jour ont été travaillées. Parmi elles, l'UNSA choisit dans cette intervention de retenir la volonté du CESE de s'engager dans un travail profond pour un nouveau modèle social protecteur pour chacune et chacun, ambitieux et à même d'absorber l'ensemble des chocs que toutes et toutes nous subissons et subirons. Le travail qui est à mener en la matière est colossal, mais le pays a besoin d'un horizon désirable, d'espoir et de confiance dans l'avenir. Ce nouveau modèle social peut être cet ancrage. Le groupe de l'UNSA votera ses orientations stratégiques en ayant à l'esprit la boussole qui est la sienne depuis le début, à savoir prendre en considération la parole des citoyens, les associer dans l'expression. Prendre en considération également l'analyse et la mise en délibération de ces contradictions en vue d'arriver à un arbitrage. Conjuguer l'intérêt général et l'urgence climatique, proposer les systèmes de solidarité de la société de demain, réfléchir, montrer à voir et impulser les changements de modèles économiques et sociaux. Ce mandat peut être exaltant, à nous collectivement d'être inventifs, ambitieux, résolument optimistes et forts sur nos valeurs. Nous le devons pour chacune et chacun, nous le devons aussi pour l'idéal républicain. Je vous remercie. Merci Martine, Samira, donc pour le groupe Agir Autrement pour l'innovation sociale et environnementale. Pour le groupe de l'agriculture, Henri Biespéré se prépare. Monsieur le Président, chers collègues, notre groupe salue le travail engagé par toutes et tous pour définir les orientations stratégiques de notre mandature. Nous partageons bien sûr les constats qui sont faits et la plupart des enjeux identifiés. Pourtant,
nous trouvons que le texte présenté aujourd'hui ne reflète pas le dynamisme et la pertinence de la conférence des enjeux. Nous déplorons aussi le manque d'un engagement plus prononcé du CESE et de ses orientations stratégiques. La réforme du Conseil et cette nouvelle mandature sont l'occasion d'avoir un véritable impact. Mais quel impact pourrions-nous avoir avec ces orientations stratégiques où la recherche du consensus opacifie la mission du Conseil et de ses propres enjeux? Le CESE doit pouvoir répondre aux méthodes, avec méthode aux enjeux qui se profilent. Bien sûr, nous souhaitons une société solidaire et des transitions et transformations accompagnées et raisonnées. Notre groupe souhaite réfléchir avec vous tous, chers collègues, un futur souhaitable et surtout être force de proposition. Peut-être faudrait-il mieux identifier les oppositions, les alternatives et proposer des préconisations qui ont un sens pour notre société et qui vont permettre de faire avancer les choses. Identifier, prioriser, hiérarchiser, débattre et enfin proposer des solutions permettrait d'aboutir à des résolutions et des avis fondés sur le dépassement et ces différences qui font notre force et notre richesse. Cette richesse assumée de la société civile organisée, les consensus, qui seront trouvés sur des propositions et non sur des questions de sémantique, donneront au CESE une réelle, mais vraiment une réelle légitimité et un impact sur notre société. Le Conseil doit pouvoir affirmer son utilité et la nécessité à l'heure où les défis qui se profilent sont majeurs, complexes et souvent interdépendants. Nous parlons depuis quelques mois des enjeux de la France à l'horizon 2035. Il faut pouvoir nous montrer aptes à répondre à l'urgence et à la gravité de ces derniers. Nous voulons aborder ces enjeux de manière transversale pour garantir aux générations actuelles et futures une société inclusive, solidaire et respectueuse des limites physiques de la planète. Ceci suppose des transformations profondes de notre société. Le rôle du CESE est de les rendre possibles en éclairant les conditions de leur faisabilité, en anticipant les difficultés, en trouvant des solutions pour les assumer et les surmonter surtout. Pour cela, nous proposons de prendre une première référence, les objectifs du développement durable, car la France n'est pas seule à ces enjeux. L'Europe est une chance durable, durable et une promesse surtout. En développant son autonomie stratégique, nous pourrons engager des transitions raisonnées et responsables. Le futur, nous le souhaitons avec vous tous, équitable et prospère. Mais pour que le CESE soit dans son rôle, nous souhaiterions qu'il définisse une vraie vision de ces enjeux en étant le plus réaliste possible sur les problématiques de notre société. C'est parce que nous souhaitons que chacun sorte de son silo, Monsieur le Président, comme vous nous l'avez dit en introduction, que notre groupe s'abstiendra sur les orientations stratégiques du CESE telles qu'elles nous ont été proposées aujourd'hui. Mais sachez, Monsieur le Président, vous avez toute notre confiance. Merci Samira. Henri Biespéré pour le groupe de l'agriculture. Pour le groupe Alternative sociale et écologique, Bernadette Groison se prépare. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, le texte que nous avons élaboré ensemble est pour nous un aboutissement, certes, mais surtout le début d'un travail collectif. Cette vision commune, ces constats partagés, ces valeurs collégiales constituent désormais le socle de nos futures études, rapports, avis et résolutions. Nous aurons tous à cœur de nous y référer tout au long de cette mandature. Au cours de nos échanges et de nos réflexions sur ce texte, ainsi que lors de la conférence des enjeux, nous avons particulièrement été vigilants
sur la prise en compte de l'économie productive. Pour notre secteur d'activité, c'est l'acte de production qui doit avant tout guider nos orientations futures. Les externalités produites doivent aussi être considérées comme partie prenante d'une économie de services associés. Nous avons également souhaité que nos futurs travaux prennent en compte que notre espace pertinent est l'espace européen, afin de renforcer sa cohésion et que soient intégrés les enjeux d'indépendance et de souveraineté de notre économie. Il s'agit de permettre à notre pays et à l'Union européenne de tendre vers une autonomie stratégique dans une économie mondialisée. Ces thématiques ont été retenues, nous nous en réjouissons. Dynamique économique, croissance durable, emploi pérenne sont des éléments indispensables, cela va sans dire, au bon fonctionnement de notre société dans tous les territoires, y compris les moins denses. Et l'on sait à quel point les difficultés économiques peuvent fragiliser la cohésion sociale et territoriale. La dynamique de tous les territoires est également une priorité pour les membres du groupe Agriculture, qui sont tous agriculteurs, forestiers, chasseurs, issus des espaces ruraux. Le texte des orientations stratégiques l'aborde sous l'angle de la compensation des inégalités, faute de les avoir évitées, ces inégalités. Il faut mettre en place les conditions d'un développement économique harmonieux de tous les territoires afin d'assurer leur vitalité et des perspectives attractives pour leurs habitants et leurs entreprises. Avec ces orientations stratégiques, nous nous réjouissons que notre Assemblée se trouve désormais en ordre de marche et nous sommes prêts à travailler. D'autant plus que la mandature qui s'ouvre s'annonce particulièrement dense. Dans un contexte sanitaire, politique, climatique et économique qui est le nôtre, et face aux enjeux du développement durable, celui des ODD, notre institution nous offre la chance d'avoir un cadre de dialogue réunissant toutes les composantes de la société civile, hors de toute logique partisane. Un cadre qui nous offre aussi le temps de la réflexion. C'est un avantage dont il nous faut tirer parti dans ce monde d'urgence et d'immédiateté. Vous l'avez compris, le groupe de l'agriculture votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci Henri. Bernadette Moison pour le groupe Alternative Sociale et Écologique et Fabienne Munoz pour l'artisanat et les professions libérales se préparent. Chères conseillères et conseillers, le texte d'orientation stratégique que nous examinons aujourd'hui revêt une importance particulière à deux égards. Tout d'abord, ce texte est le fruit d'un travail collectif, issu des réflexions de l'ensemble des organisations membres du CESE et des groupes, entamées pour la première fois au sein de cette nouvelle mandature. C'est ensuite un texte de référence, puisqu'il donne un cadre de travail pour l'avenir et constitue le socle des sujets sur lesquels le CESE aura à se pencher durant les prochains mois. Nous devrons réaliser un bilan de la méthode employée, tant concernant l'organisation et la tenue de la conférence des enjeux que pour la rédaction de ce texte, dans une volonté de préservation et de perfectionnement du travail collectif mis en œuvre depuis le début de cette mandature. L'écriture d'un tel texte aurait par exemple nécessité d'y consacrer davantage de temps, même si nous sommes satisfaits pour notre groupe de l'intégration par le bureau de bon nombre d'idées et de propositions émises par les groupes. Malgré des faiblesses sur le fond, en termes par exemple de santé, de recherche, d'éducation, de culture, malgré des lacunes dans les formulations et des insuffisances aussi, certainement liées à des difficultés à penser ensemble la manière de faire face aux défis qui sont devant nous, le groupe Alternative Sociale et Écologique se retrouve globalement dans ce projet et le votera, notamment car notre amendement incluant dans ce texte les 42 fiches travaillées en amont dans les commissions a été adopté. En effet, en ciblant bien les enjeux en termes de transition économique, sociale et environnementale, et en posant des questionnements sur les sujets de société qui doivent conduire à une mobilisation forte du CESE en ces temps de crise, notamment la lutte contre les inégalités, dont les inégalités entre les femmes et les hommes,
la lutte contre les discriminations, contre la pauvreté et pour le partage des richesses, pour l'accès aux biens communs et aux services publics, à d'autres modes de production et de consommation nécessaires, ce texte donne un cadre aux travaux à venir. Mais cela nécessitera des débats sérieux et approfondis au sein de notre Assemblée. En effet, nous devons maintenant travailler ensemble, avec respect et exigence, en recherchant ce qui nous rassemble, tout en éclairant les consensus, mais aussi les dissensus, car nos travaux devront être utiles aussi bien aux acteurs publics qu'aux citoyens et citoyennes. Ce sont ces équilibres qui permettent d'assurer la légitimité du CESE et la qualité de ses travaux. Pour notre groupe, le but de notre présence et de notre travail au CESE est de chercher à contribuer à l'amélioration de la vie de chacun et chacune, de chercher à assurer davantage de justice sociale, de préserver la démocratie et le respect des valeurs qu'elle implique. Cela nécessite d'anticiper la mise en œuvre de moyens pour faire face aux grands défis actuels, environnementaux, économiques et sociaux, et donc de permettre, notamment, un accès de toutes et tous au savoir, à l'éducation et à la prise de décision. Et nous devrons le faire avec le souci de bien représenter toute la société, ses différents territoires, ces différentes citoyennes et citoyens, notamment en veillant à la place des jeunes, des femmes et des personnes migrantes. Ces orientations stratégiques sont un prélude à tous ces travaux et donnent sens à nos mandats communs, c'est-à-dire ce pourquoi nous nous engageons toutes et tous ici, œuvrer pour une société plus démocratique, plus juste, plus solidaire, capable d'assurer l'émancipation de chacune et chacun, d'assurer une égale dignité de vivre ensemble dans un monde préservé. Merci Bernadette. Donc Fabienne Munoz pour le groupe Artisanat et Profession Libérale. Fabienne Munoz sera notre dernière intervenante. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, nous vivons une époque charnière avec de profondes évolutions annoncées en matière économique, écologique, sociale. Des attentes fortes comme des craintes s'expriment dans la société face à ces mutations. Le rôle du CESE est de les porter dans ses travaux futurs, mais aussi de déterminer comment opérer les transformations à la fois souhaitables et nécessaires, en les rendant acceptables pour favoriser la mobilisation de tous. Il va être essentiel de clarifier les priorités, d'identifier les stratégies d'action, mais aussi d'accompagner les acteurs dans ces évolutions. Parmi les orientations stratégiques du CESE, notre groupe retient comme thématique prioritaire la souveraineté stratégique, l'emploi et la cohésion sociale. Notre politique industrielle doit permettre de rompre avec nos dépendances dans des domaines clés pour l'avenir et d'assurer notre souveraineté énergétique. C'est aussi en relocalisant que nous recréerons des emplois dans les territoires et que nous renforcerons l'économie de proximité. Investir dans le capital humain doit également être un objectif majeur. Nous regrettons que les priorités du CESE ne mettent pas davantage l'accent sur cet objectif. En effet, la plupart des emplois vont devoir se transformer et d'autres vont disparaître. Il est donc essentiel d'anticiper et d'organiser les évolutions de compétences comme les reconversions professionnelles. Cela va nécessiter la mobilisation des branches et des territoires en termes d'analyse prospective, mais aussi une activation renforcée de l'appareil de formation. De plus, les jeunes en phase d'orientation devront être mieux informés sur les débouchés professionnels, comme les emplois d'avenir et les formations initiales devront s'adapter. La cohésion sociale exige par ailleurs d'ouvrir de réelles perspectives d'avenir aux personnes en situation de précarité. Cela doit notamment interroger la capacité de notre système d'enseignement
à donner à chacun les savoirs de base nécessaires, mais aussi celle des dispositifs d'accompagnement à offrir des chances d'insertion ou de réinsertion professionnelle. Plus largement, la transition écologique va bousculer les modes de production, de consommation, les conditions de logement et de déplacement, autant de sources d'incertitude et d'insécurité pour les agents économiques. Pour relever ces défis, les maîtres mots doivent être l'anticipation et l'accompagnement. Cela supposera des politiques publiques volontaristes, évaluées dans leur impact, suffisamment claires et lisibles et combinant mécanismes d'incitation et aide aux plus fragiles. Le CESE a tout son rôle à jouer pour contribuer à la construction de ces politiques et pour renouer le lien entre les stratégies publiques et les citoyens afin que notre société regarde son avenir avec confiance. Le dialogue entre ces diverses composantes est plus que jamais un atout sur lequel s'appuyer. Mais il faudra aussi que les pouvoirs publics soient à l'écoute des propositions de la société civile, car elles sont un gage de l'acceptabilité des évolutions et des réformes. Nous voterons les orientations stratégiques de la mandature. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Fabienne. Merci pour vos interventions. Donc j'avais ouvert et clôturé le vote. 158 votants pour 129, contre 6, abstention 23. Donc nos orientations stratégiques de la mandature 2021-2026 sont adoptées. Notre prochaine assemblée plénière se réunira le 9 novembre à 14h30 avec pour ordre du jour la contribution du CESE à l'élaboration de la SNB3, la stratégie nationale biodiversité. C'est Élodie Martini-Cousty et Marie-Hélène Méling qui seront rapporteurs au nom de la commission environnement. Et merci de votre participation.